essayer de regarder pourquoi ça ne voulait pas faire le truc. Voilà. Très bien. Bon. Allez. Petite musique et c'est parti. Voilà. Bon. Bon. Alors. Donc. Je vais vous expliquer comment ça se passait ce stream. Donc, je vais vous présenter tous les événements au cours de cette semaine qui a déjà commencé et qui commence. Parce que du coup, ça a commencé à midi à peu près. Donc, je vais faire une présentation des nou nouvelles saisons multijoueurs, celle qui a déjà commencé, les events, tout ça, les tracks. Je vous fais quelques courses. Quelques courses, démonstrations auto, manuelles, tout ça. Voilà, vous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe. Bon. Commençons déjà. Alors. Hop, déjà, pour commencer, hop. On prend le pass. Ah bah oui, hein. Alors, je teste des trucs. Est-ce qu'il y a... Ouais, là, 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 là. Oh. Oh, j'ai une réduction. Ah bah, go. Ah merde, poussière mot de passe, attendez. Allez, tu testes. Parce que... Attendez, je... Juste par un petit instant, je reviens. Voilà. Je vais voir si... Je ne vous montre pas ça. Alors, je vais regarder, je vais voir si je... Est-ce que... J'ai... Je me rappelle du code, sinon je le fais en... Alors, effectivement, j'en étais sûr. Bon. Je fais vite en express. Je vais prendre le pass et je... Je reviens, vous inquiétez pas. Très vite, très vite. Enfin, c'est rapide, vous inquiétez pas. C'est juste que... Et pas parce que normalement j'avais désactivé cette option, voilà, parce que là bah, la prochaine fois je prendrai j'essaierai de prendre un truc en hors live pour gagner un pas vraiment mon code. Voilà. Hop. Voilà, ça arrive. Voilà. Vroom. Portable. Ah, c'est la boutique légendaire, ça. Alors, attendez. Voilà, c'est bon. Bon. Bon, du coup, on a pris le pass. Voilà. Alors, regarde un peu la boutique. Bon, qu'est-ce que j'ai? Il y a le Buster Speed actuellement. C'était pas prévu dans le programme, j'ai l'impression, parce que... Normalement, c'était le Buster Speed, c'était la saison... pas la saison Redanos, mais la saison... Et attendez, je vais peut-être regarder, excusez-moi. Regardez les petits détails. Bon, ouais. Donc du coup, oui, du coup, le Buster Speed, c'était pas ça qui était prévu à la base, mais bon, pourquoi pas. Je vais regarder. Le planning. Ah ouais. Effectivement. Attendez, je regarde. Ouais. Non, c'était pas ce Burst of Speed qui était prévu, mais bon, pourquoi? On prend, hein. Donc, évidemment, on a la Gemera, on a la Divo et on a la Valhalla de Aston Martin. Salut Thibaut, ça va? C'était toi, je savais. Et donc, en deuxième version speed, on a la Bugatti LVN, la voiture noire, la Torino et la Imola. Bon, je ferai quelques ouvertures la semaine prochaine de ce butin-là.
Cette semaine, je peux pas. Voilà, il faut que je regarde un peu. En fait, j'attends d'avoir. Je vais expliquer. Attendez, je vais expliquer après. Voilà. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de débloquer. Bon, débloquer la Imola. J'ai pas mal quelques plats à voir. Et si je peux débloquer. La Divo, pourquoi pas. Ok. Alors voilà, j'attends de. Ah, j'ai déjà fini succès. J'attends de débloquer à partir de mercredi prochain les bonus de 25%. J'ai l'impression que le son est un peu fort pour moi. Voilà. Ah, ça va. Bon, voilà. J'attends de débloquer cette partie, comme ça, moi, je pourrais dépenser mes pièces rouges. Et évidemment, si je récupère des pièces rouges, voilà. Ça va économiser les pièces rouges. Donc, la semaine prochaine, vous aurez une petite ouverture des coffres, ça. Actuellement, le Grimjam. Mis à part, voilà, t'as cru le bof, voilà. Et le 2, ben. La simple raison que il y aura. La prochaine saison, il y aura la Track Apex. Et la Validation Milano, bon, qui est une caisse gratuite, donc voilà. Et comme j'ai la Porsche Taycan en max. Salut Alex. Ouais, merci Alex aussi, merci, merci. Ouais, salut, merci, merci, voilà. Et actuellement, on a donc le Starway de Peugeot Onix. Donc, je vous conseille de ne pas prendre ces packs-là, je vous le dis de suite, parce que pour déverrouiller les voitures se déverrouillent via la boutique légendaire. La saison moderne, j'ai toutes les caisses, donc. Avoir plus de trucs, non, c'est pas intéressant. Voilà. Quand j'aurai la semaine prochaine, je prendrai quelques packs BMW pour la maxer. Parce que moi, principalement, je concentre à maxer le pass. Voilà, à maxer les voitures, toutes les voitures de pass. Sauf full étoile. Donc. Voilà, pour la boutique, un peu ce que je vous présente. Ensuite, voilà les caisses gratuites. Voilà, parce que voilà, j'ai l'interso Mileno. Voilà, bon, la caisse gratuite. Voilà, ah, la petite Vanda, mais c'est tard. Voilà, alors donc actuellement, nous avons deux événements en cours. Nous avons l'événement de la Polo Evo. Voilà, quelles sont les voitures? Donc, nous avons la Miura. Précédemment à la track, je vais vous montrer comment obtenir la clé facilement, avec le temps, en auto et en manuel. La voiture du pass, la BMW. Du coup, c'est la course à Polo Evo. La course Ferrari Enzo. La Taycan. La NSX. La Panamera, qui est l'actuelle track. Voilà. Je vais vous faire quelques courses pour montrer. La SVJ et la SVJ. Voilà pourquoi je vous dis débloquer la caisse avec 4 étoiles. Ben, en fait, voilà. La caisse du pass est obligatoire qu'elle doit être max. Alors, du coup, présenter le deuxième event, l'event Rimac Nevera. Voilà. Donc, l'event Rimac nécessite la fine farinage de speed, la Porsche Taycan S. La Rimac Nevera, caisse gratuite. La Draco GTE. La Apex. La Techrul. Et la Terso. Voilà. Le plan Panamera? Ben, j'ai pas commencé. J'ai pas encore commencé les vêtements. J'ai pas encore commencé les vêtements. Ben, si, oui, j'en ai 6. Parce que c'est le pass. Mais c'est tout. Vous inquiétez pas, ça va dropper très très vite. Je pense que d'ici en 3-4 jours, la track, elle est pliée. Alors. Donc, on évite au quotidien. Donc, je vous ai dit. Actuellement, on a. Pourquoi je suis en DSZ? Ben.
J'ai switché cette saison en DMZ. Parce que je suis quand même quelqu'un qui est très. Quelqu'un qui fait quand même des gros points en termes de DMA. Ah, je ponce le jeu. Environ, je peux faire 10K points par jour si je veux. Et de plus, ben, je suis un bon pilote. Enfin, moi je me déclare comme un bon pilote. Voilà, après, à des classements, me diront. Ben, je vous montrer mes classements MP, classement MP pour voir. En gros, j'ai un niveau similaire God, voilà, pas alien. Voilà, il faut pas décoller non plus. Je suis pas parfait. J'ai quelques problèmes de gestion sur l'accélération, des fois sur le départ, parce que voilà, je joue avec la manette, et également la manette sur téléphone, voilà, tout ça, et voilà. Et j'ai des soucis sur DMZ parce que justement, j'ai un bon garage, le clash ça m'intéresse, voilà, c'est tout. Voilà. Donc. Donc j'y dis actuellement, ben, il y a un event Stramp Dragon Mobile. Ben, du coup, je vais le faire. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Donc, quels sont les temps à peu près? Bon, les temps record. Bon, une 7, une 8, une 9. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a fait dans la team DMZ? Ouais, pourquoi pas. Ok, ouais, ça se précise. Hein, ça se précise. Bon, allez. On va commencer la course du pass. Enfin, la course du pass. La course de la... La... la course de la Reebok. La course de mode. Bon. Donc, évidemment, à chaque fois, sur certains events, on aura la caisse full performance. Bon, la Reebok, quand même, c'est une Elite A. Ouais, je me trompe pas. Enfin... Ouais, ça c'est l'élite parce que je crois que bientôt elle sera remplacée par la P72. Voilà. Bon, on regarde un peu les stats. Bon, oh là là, les stats. Les stats pour une élite A. Ah ouais, elles sont impressionnantes. J'ai l'impression que c'est. Comment dire ça? Bon, elle est un peu plus que la Onyx. Et ouais. Elle a plus de ça que la Onyx, mais je trouve qu'elle est quand même peu faible en nitro. Alors cette caisse-là, pour moi, elle va être si vous faites la nitro-gestion, franchement, ça sera très pratique. Bon, allez, sans plus attendre, je vais faire en auto pour montrer un peu comment ça se passe. Le circuit, je sais pas quel circuit c'est d'ailleurs, donc ça sera vraiment, c'est vraiment de la introduction. Ah, pression au port, ok, Caraïbes. Un peu comme dans les tracks, tout ça. J'ai le son. Le son du jeu est beaucoup trop fort. Attendez, je vais un peu le baisser. Général. Je pense que 50, ça sera pas mal. Voilà. Voilà. Parfait. Allez, c'est parti. Ah oui, c'est vrai que c'est l'auto. Hop, petit dérapage. Hop. Ah, oh, dérape bien, hein. Hop. Ah. D'accord. Ah, il y a un petit problème. Attendez. Ouais. Je sais pas pourquoi. Bizarre, parce que c'est la même touche. Bon. On prend. Ah, voilà. Bon, c'est pas grave. Wouah, en auto. Elle est vraiment bizarre en auto. Oula. Ouh, tonton. Ouah. Non.
Non. Elle a collé le mur. Bon, Noto, c'est pas terrible. Bon, allez, finis les blagues. Oui, 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 pour dire c'est manuel, ne plus me montrer, voilà, bon. Oui, ne plus montrer, vas-y. Bon, allez. Fini les amusements maintenant. Là, c'est le, là, c'est la vraie. Hop, voilà. Hop. Ouh. Ah, elle dérape beaucoup très très bien. Hop. Hop. Ah ouais. Ah. Quand une caisse a trop maniement, elle a trop maniement. 84, c'est beaucoup trop. Hop là. Ah, après, bon. Ça peut être très pratique. Bonne 1336, pourquoi pas. Ok. Voilà. Ouais, bon, c'est bien. Voilà. Alors, la course du pass. Donc, actuellement, la course du pass qui est la course de la... Ah, et encore, j'ai un peu mal géré. C'est vraiment là les quelques petits rodages un peu de la... Comme je joue d'habitude sur la version téléphone. Voilà. Alors, allez, pareil, je vais vous montrer un essai en auto et un essai en manuel. Ah, c'est vrai, ça cache le temps, ça. J'ai essayé de mettre un filtre sur la photo. Alors là, moi, je préfère faire comme ça. Hop là! Ah voilà, je vais baisser un peu. De toute façon, il est un peu trop fort sur mon téléphone. Enfin, mon téléphone sur mon PC. Je prends vraiment les tonneaux au mauvais timing. Mais bon, en auto, c'est comme ça, c'est chiant. Oh, une 25 en auto, ça, en tout drive, ça va encore, ça passe. Hein. Voilà, manuel, maintenant, on va s'amuser un peu. Oh, mais allez, ça va être plus fun.
Inquiétez pas, la Rimac, je vais performer mon temps, vous inquiétez pas. Hop, hop, hop. Ah, trop. On va toujours penser à Manuel à frotter un peu les véhicules. Voilà, ça c'est des bons tonneaux. Hop là. Ah, j'ai perdu la vitesse. Il est trop chaud ce passage. Bah, c'est pas grave. Ouais, une 24. Allez, je vais juste... Voilà. Léji sera bien à côté de moi, voilà. Voilà un peu pour ça. Alors... La saison Vandalust, j'attendrai d'avoir... attendez, je regarde... Ouais, j'attendrai d'avoir la Enzo et la Panamera pour la présenter cet event. En gros, quand vous regardez la saison Vandalust, petite information, ça va être les voitures qui vont être sur la saison multiplayer, la multiplayer fin de saison. Donc il y aura pas mal d'ailleurs, pas mal. Bon, ça je vous présenterai la semaine prochaine, peut-être la semaine prochaine si tout se passe bien. Ah, le grid jam. Ah, c'est vrai que je l'ai pas fait, le grid jam. Oh, ah bah oui, c'est vrai. Bon, par contre, ça me titille, excusez-moi. Voilà, à récupérer. Allez, zou. Voilà. Récupération auto, voilà. Alors, le grid jam. Alors. Bon, je vais vous montrer une session. Là, je vais vous montrer une full session manuelle pour cette saison. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, d'accord. Très bien. Donc, faut terminer avec toutes les voitures. Ben, c'est parti, écoutez. Hein. Voilà, toutes les voitures en max. Oh, c'est beau. C'est beau de voir du gold. Ah, la Tecril, elle est super. Elle est super en B. Non, c'est une... Ah, je dis du bêtis, c'est NA, c'est pas une B. Je confonds avec la Zenvo. Pas du tout la même. Alors, les stats de la Porsche. Ah, la Porsche Taycan Turbo S. Ah oui, la Porsche Taycan Turbo S. L'un des véhicules qui peut... Où tu dois utiliser la nitro bleue. La nitro parfaite. Ah oui, c'est l'Écosse. Et dégâts-toi. T'as eu le bot là qui me casse les pieds. Attendez, je prends un peu dérapage. Hop, hop, vous lâchez la Nico ici. Tu boostes là. Ah ouais, c'est l'Écosse, c'est pas très difficile quoi. Merde. 160
transition. Non, mais c'est juste pour troller, vous inquiétez pas. Voilà. Oh, c'est là quoi, la Pininfarina, H2 Speed. Vous inquiétez pas, les tickets, j'en ai, c'est pas un problème. le pass event, voilà quoi. Mais... Oh! Hop! Oh! Non. Hop! Voilà. Le mec il avance de position quoi. Allez avec la Draco maintenant. Ouais, pas mal la Draco. Après en général pour moi une caisse qui est très très bien. D'avoir 80 d'accélération, 70 litres, 70 de maniement. Après le bon de vitesse de poète, c'est pas un choix. Mais oh! Hey, sale perso là! Casse les pieds là! Voilà là, voilà là, voilà! Et. Ah! Passé de vitesse! Ça va les 360? Ça va, elle a pas trop, elle a pas trop tourné la bagnole? Comme le chien. Allez, la petite Apex. Pourquoi d'ailleurs je suis sur lui sur l'Apex? Ah oui, mais vrai, je suis vrai, c'est vrai. C'est l'événement Rimac en fait. J'avais oublié que j'avais pas refresh les essences. Bon après c'est pas grave. L'Apex aussi qui est une quête bleue. Voilà. Pour moi je n'ai que 3 étoiles de base. Ah, pas grave. Ah ouais, comment? Non, on avance en position. Ah ouais, parce que j'ai déjà fini ces succès-là. Ouais, maintenant c'est les succès de temps. Carotte. Ah, la terre Sobilino. Millenio, pardon. La terre Sobilino, je l'aime bien. C'est une caisse que j'aime bien. Je sais pas pourquoi. J'ai le flow avec cette caisse. Mais bon. En MP, j'ai amélioré ma spitel. Maintenant, ça va jouer dans la cour des grands. Ça joue dans la cour des grands, monsieur. Hop. Wouhou. Oui. Ouais, quand t'es une voiture assez rapide, sur ce circuit, tu peux profiter de ce qu'on appelle ça, le air bump. Quand la voiture descend, elle gagne de la vitesse. Très utile sur Écosse. Et très bien à le refaire, ça.
Top 10, ouais, 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 ouais. Tu m'étonnes pourquoi elle est bien cette caisse. Ouais, une caisse très équilibrée. Très bien équilibrée d'ailleurs même. Très bien équilibrée pour ma part. Oh ah, d'accord. Voilà, là c'est bien exécuté. Hop là. Ok, d'accord. Read the gold. Bon, je vais vous montrer. Attendez, les classements un peu. Attends. Ah, ça va. Hein. Bah, je suis juste à côté, quoi. Quoi, il a fait là avec Lamborghini Terso. Bon, voilà un peu les 20. Alors, qu'est-ce qu'on a comme 20 encore? Le fête de l'anniversaire Porsche. D'accord. Bon, on va gagner un autocollant. Pourquoi pas? Intéressant. Ah oui, d'accord. Bon, c'est des Porsche. Bon, récompense solo, qu'est-ce qu'on a? Classe D, classe C, classe B, classe A. Ok, d'accord. Ah. Sur laquelle tu veux ton corps? Ben, je vais te montrer. Je vais te montrer. Ça donne quoi? Certaines, ça donne quoi, Tom? Qu'est-ce qu'on a? Tonneau. Rien sous onde de choc, bouteille de nitro, ok. Oh, attends, je vais te montrer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, ça, c'était l'autocollant de la de Dupas, donc tout le monde est là. Ensuite, est-ce que c'est l'autocollant? Non, elle n'en a pas. Ben, non plus. Elle a un autocollant à Targa? Non. Ah, la Taycan. Ouais, ça va, ça gère. Il y a celle-là. Il y a celui-là. Il y a celui-là. Ouais, bon, bah... Ouais, c'est... C'est la parade partie, quoi. Yes, put. Ça va? Voilà. Après, tu veux voir quoi? Peut-être d'autres autocollants. C'est vrai qu'elle était... Disait ça. Wouah, c'est quelle jolie. Tiens, je vais la garder. Ah, ça c'est l'autocollant de Grand Prix, ça. Ouais, 100%. Bon, moi, c'est pas trop ma spécialité, les autocollants, franchement. D'abord, surtout pour quand il y a les Grands Prix, mais... Sinon... On fait un maximiser la clé, quoi. Il y a quoi encore? Ça, encore un toco là, ouais. Grosse, ouais. Ben, ça, j'ai rien, donc voilà. Hop, ça. Il y a quoi encore pour un toco là? Ouais. Autocollant Grand Prix. Ouais.
Et encore un tocolo ou pas? Je crois que c'est la dernière caisse. Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On avait quoi, on a dit? Il faut faire... Termine la course en classe D. Ok. Classe C, classe B, classe A, juste terminer la course et après quelques succès spécifiques. Ok. D'accord. La classe D. La 118, c'est mieux pour le chrono. La Spider. Ok, d'accord. Je pense parce que c'est une ligne droite. Le circuit, c'est une ligne droite. Ouais, je pense que c'est pour ça. Bandé. Je crois que c'est. Quelle est la Targa? Targa ou Taken? Bon, on va voir quel circuit c'est. Ah, bon, ok, voilà. Voyage dans le temps. Oh putain, c'est celui-là. Oh, c'est celui-là, j'aime pas celui-là. Typical bot. Typical bot. Oh, ça va, il nous demande juste de terminer la course en classe D. Hop, petit grade ici. Ça passe pas du tout. Oh, le bruit du train. Ouais, je comprends, c'est circuit en ligne droite, donc ouais, c'est pour ça que tu dis la 918, effectivement. Ce train-là, c'est mieux. Alors, en C, qu'est-ce qu'on a? Ben, en C, on a la queue de caisse, mais bon, ouais, voilà. On a une caisse d'un ancien passe qui est pourrave. Et le superbe Porsche en C. Oh, vous cassez les pieds. Où tu peux dire? Ah, je vais faire l'onde de choc. Je vais faire l'onde de choc. Là. Pas grave, on est encore en B. Alors en B, bon, qu'est-ce de... Le soul. Tiens, en rang, voilà, ce sera plus simple. Alors en rang, qu'est-ce qu'on a? Celle-là. Attends, entre celle-là et celle-là. Ouais. Je préfère celle-là, ouais. Thank you.
Ah, bon, c'est pas grave. Ah, c'est moche ce que je viens de faire quand même. Bon, qu'est-ce qu'on a? Juste temps nitro et onde de choc. Et il nous reste une place A. Ah, quand même, dépense-la, t'as de la petite. Ah, la spider. Qu'est-ce que... La caisse que j'ai, mais j'ai pas encore monté, bah, elle va procéder à monter, vous inquiétez pas. Là, actuellement... Ce qui me fait défaut, c'est mon garage de type A. Bon, ça, dessus 36 secondes, ça reste pas mal quand même. Bon, ça va. Hein. Ça dilate un peu. Hein. Non, succès, ça va, ça passe. Alors, ça, je vous le présenterai la semaine prochaine, le Burst of Speed. Parce que j'attends d'avoir la Imola, si j'arrive à la débloquer, et la Divo, et l'ambassade, et la Divo. Alors, ça... Il vous faut le max de la caisse. Actuellement, je ne l'ai pas, mais je vais quand même montrer la semaine prochaine les succès. Qui est très difficile à faire à une étoile, je précise. Je l'ai déjà fait, mais c'est très très compliqué. Il faut vraiment de la gestion millimétrée. Voilà, enfin. Niveau God Alien, entre guillemets. Ça passe. Alors. Alors, qu'est-ce que je vous ai pas présenté encore? Ah, la clé. Voilà, si vous avez raté la clé, je vous montre un petit essai. Ça mange pas de pain. Voilà, il faut 41 secondes. Bon, je la présente en auto. À partir du niveau 7, en auto, c'est passable. À niveau 7 et niveau 8, c'est passable. Bon, je vais vous montrer en auto comment ça se passe. Comment je fais en auto les 41 secondes. La musique derrière, j'adore. Moi je prends pas celle-là parce que c'est très chiant en auto. En manuel il n'y a pas de problème, mais en auto c'est assez pénible. Hop. Voilà. Et c'est quoi tes voitures de... C'est quoi les meilleures voitures sur chaque classe? Qu'est-ce que tu veux dire? Quelles sont les meilleures voitures que j'ai sur chaque classe? Ou les vraies meilleures voitures en fait? Voilà. Ah d'ailleurs ça m'a réactivé la clé en fait. Allô, je l'avais pas... Je l'avais pas fait. Bah tant mieux.
Weekly. Weekly, c'est un fréquent. Ouais, parce que la voiture. Ah, d'accord, quelle est la meilleure voiture sur chaque classe? Ah, après ça dépend. T'as la meilleure voiture qui peut être la meilleure voiture sur type de circuit classique. Après, c'est souvent ce, voilà, ouais, la meilleure voiture en termes de performance générale. Et après, t'as la meilleure voiture en termes de vitesse. Est-ce que tu te fixes sur un paramètre ou tu te fixes vraiment sur la meilleure des meilleures? De toute façon, en général, les meilleures, c'est les voitures polyvalentes, quoi, entre guillemets. Après, il y a pas mal. Par exemple, en D, alors en D. En D, il y en a qui te diront, ben, bon, en vitesse, c'est la TVR, super générale. Moi, en D, je dirais, c'est la W, électrique R. En C, c'est la McLaren GT, la King des Kings. Après, elle se bat quand même avec la 1699X. En B, qu'est-ce qu'on a en B? En B, c'est la McLaren FM, normalement. Ouais, voilà, dit. Voilà. D, la WR et TVR pour les chronos, ouais, effectivement. Arinera, ouais, aussi, elle est pas mal. Parce qu'elle est surtout très rapide. Après, il y a pas mal de pertes pour des caisses. En B, moi, c'est la F1 qui est très intéressante. Après, bon, la 911, ça se défend pas mal et la Huracan. En A, bon, en A, il y a une caisse illégale. La caisse la plus illégale du jeu. Pour ceux qui savent. Après, il y a... Ben... Normalement, c'est la Countach qui est très, très superbe. Je pense à... le pourquoi, c'est pour la Vanda. C'est pour la Vanda, le pourquoi. Ah, c'est vrai que vous voyez pas la souris, c'est vrai que j'ai désactivé. Ben... Comment dire ça, la Vanda? Après, la Vala, c'est vrai que c'est terrible, effectivement. La Vala, c'est vrai qu'elle est, elle est très bien aussi. Enfin. La Vanda, pourquoi? Ben... Imagine le plus gros véhicule. Imagine... par exemple, la... La Evija. Et où la Evija déjà? Imagine cette véhicule là. Ce véhicule là, il a plus de 2000 chevaux. La Vanda, accroche-toi bien. La Vanda a 1700 chevaux. C'est autant de chevaux presque. C'est la Jesco. Elle est illégale. Bon, après, c'est sa faible vitesse de base qui permet d'être en A, mais bon. Si elle n'avait pas sa faible vitesse, elle serait en S, je te le dis de suite. Il aurait mis en S. Parce que bon, avoir un cancer en A, voilà. Pour ça, tu vois des gens qui pilotent des Vanda en S. Bon, je dirais, ok, ils ont pas de S. Bon, allez, ok, je veux admettre, mais bon. Après, quand il y a des gens qui pilotent genre la... la Grand Sport, l'Avantage, la Huracan, bon, en S, c'est cringe un peu quand même. Même si elles sont très bien, ces voitures. Mais bref, voilà. Bon. Ah, je vais vous présenter la Panamera maintenant. Alors.
Cavanaugh avec la Panamera. Alors, termine. Ouais, vous voyez, j'ai vraiment pas commencé. C'est vraiment la bonne introduction. Et en S. Ah! En S, il y a quand même des bons. Il y a dans l'oreillette, on me dirait que c'est la Chimera apparemment, dans l'oreillette. Voilà. J'avais été sûr que t'allais me dire ça. Après, la GSQ, elle est très très bien parce que... elle est terrible. La bolide, c'est la meilleure des caisses, sauf que le problème de cette caisse... C'est la nitro. Bon. Alors, avec quelle voiture on doit faire le succès? D'accord. 42 secondes. Ça, je vous présenterai la semaine prochaine, la clé. Alors, on doit faire 45 secondes avec la Bugatti B110 et 44 secondes avec la Beast UX. Allez, c'est parti. Alors, je vais commencer par la Beast UX en auto. Voilà, pour montrer un peu comment ça se passe. Ok, c'est l'Argentine. Ça va, écoute. Merci d'être passé. Passe le jeu tranquille. On se verra tout à l'heure, MP. Voilà. Ouh, trop dérapé ça. Hop. Oh, c'est celui-là. Ça va. Voilà, 42 secondes. Ouais, c'est pas mal. Oh, je crois que c'est 44, j'ai pas de conneries. Voilà, c'est les drops normaux. Ma banque est full. Ah. Attendez, un petit instant. Je reviens, je débloque ma banque, excusez-moi. Désolé, mais bon. Il me faut mes gold. Hop. Voilà. Hop là. Voilà. Transformation. Ok. Donc du coup, on était où? On était à... Bon, la Panamera, du coup. Alors, donc, j'ai fait la course en auto. Je vais vous montrer la course manuelle, maintenant, avec la Resvani. Voilà, un peu, quelques petits raccourcis spécifiques, tout ça. Hein. De toute façon, vous pouvez trouver quelques tutos de circuit, un peu, sur YouTube, tout ça, pour les manuels. Pour les autos, peut-être je ferai un truc spécifique, on verra.
Un petit leçon dérapage aussi. Oh, 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 très risqué ça, mais ça passe. Petite leçon spécifique sur les dérapages quand vous jouez en manuel. Quand vous avez un virage à droite, vous commencez votre 360 sur la gauche. Comme ça, ça permet de cancel. De cancel le 360 en faisant un 266, 10 entre guillemets, parce que quand vous commencez comme ça, ben vous finissez comme ça. Du coup, ça vous permet d'être sur le dérapage instantanément. C'est une petite astuce. Et vice versa, quand le virage est à gauche, vous commencez 360 à droite. Ah, pas de plan, pas de plan. Pas de chocolat, pas de chocolat. Alors, on a dit la EB110. La EB110, elle est où la petite EB110? La B110 qui était une caisse d'une track, qui était même la caisse d'un grand prix. Je crois que vous avez la vidéo du grand prix sur ma chaîne YouTube, je crois. Ouais, je crois que j'avais mis. À 40, ça va. Chose qui est importante aussi à noter, quand vous êtes en plein saut, si vous avez raté votre vitesse maximale, faites juste un petit freinage pour que vous gagnez de la nitro. Et quand vous êtes quasiment proche du sol, un peu en multijoueur, un peu tout ça, quelques astuces, mettez la cartouche. Enfin, réutilisez la nitro. Si vous avez chaque fois, c'est mieux. Ça peut vous éviter certains KD, tout ça, voilà. À ça, je vous verrai en multijoueur un peu comment je joue, voilà. Vous allez voir un peu quelques petites subtilités. La voiture qui me frotte. Ça va, je suis pas écolo moi. Ouh, il a un peu trop dérapé, bon c'est pas grave. Ah, 38, 650. Et... Ok. Alors, en classe D. Alors, en classe D gratuite, qu'est-ce qu'on a? On avait... Alors, je vais pas en présenter avec les caisses gold, parce que c'est les caisses qu'on obtient. On n'obtient pas via les trucs. Alors, qu'est-ce qu'on obtient déjà? Attendez, je vais juste regarder un truc. Hein. Mais non, je veux pas aller vers les crédits, moi. Ah, la boutique légendaire, voilà. Non.
Des conneries, moi. C'est pas la boutique légendaire qu'il faut aller. Voilà, c'est vers les voitures. Voilà. Alors. En classe D, qu'est-ce qu'on a? On a la Cayman. On a... Non, en classe D, voilà, bleu. En bleu, on a la E-Tense. Pour l'Argentine, ouais, je vous conseille. Pour l'Argentine, je vous conseille la E-Tense. Et on reprendra la... Ah, t'es vert, c'est 48. On prendra la Fouraille. Ok. Alors, je vais présenter avec celle-là. Oups. Crac. How to live with Ricard. Ouais, c'est simplement c'est ça le titre. How to live with Ricard. Ricard. En général, les tracks, quand vous avez une caisse max étoile en drive, voilà. Et comme vous êtes en manuel, vous pouvez avoir une ou deux étoiles de moins, ça dépend. Vous pouvez tirer le temps. Les soucis de la version TD. Dans 5 secondes, ouais, ok. Hein. Et encore, bon, je me suis un peu manqué. Bon, voilà. Voilà, c'est pour juste vous montrer avec une free card, ça donne quoi. Voilà. Et je voulais vous montrer avec en free card, je voulais montrer avec la Mazda, avec la Fouraille. La Fouraille. Avant c'est la Fouraille, mais moi je veux la Fouraille. Ok. Bon, 43. Ok. Ah. Un plan. Enfin. C'est le début. Alors, on a dit du coup en manuel. En manuel avec celle-là. Après, il y aura quoi? Ah, les courses event que je vais vous présenter. Et aussi le multiplayer. Thank you.
Ouais, 41 à 45 en manuel. Ça change un peu. Ah, des gold. De la thune. Ouais, quand vous avez le pass quasiment. Vous faites que des courses track sur une journée. Vous pouvez facilement gagner 2 millions de gold. En tout cas, c'est 2 millions de crédits. En gros, quasiment un niveau de performance 13 en S. Voilà. En gros, entre guillemets, vous pouvez faire. Pas de bêtises. Tu peux quasiment te faire 3 à 4 millions de gold par jour en fait. Ouais, c'est surtout grâce au crédit multiplayer en fait. Ah, d'accord. Toka, pas de tonneau. Il fait le même temps. Ouais, alors ce sera la Elite qui sera la plus rapide sur ce circuit là. J'y fais le même temps, Théma. Bon. Voilà, présentation de la track Panamera. La course est dite. Oh, je l'ai pas fait. Bon, ben. Je n'ai qu'une voiture, voilà. Tecrul, Rimac, Vala, Imola, Contach. Bon ben. Ils ont pas combien la Jaguar. Ah bah bon, attends 20 secondes. Bon ça je vous montre qu'uniquement en manuel. Voilà, parce qu'il faut pas décoller non plus. Métropolitain. Attendez. Je crois que le... Ça... Tiens, ça a très drôle au milieu. Voilà. Ok, allez, c'est parti. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu quelques petits freezes. Bon après c'est normal, c'est la bêta de Google Play sur ordinateur. Ah. Manquer la boss. Bon. Bah si je peux vous présenter un peu. Encore ça va, j'ai du bruit quand même, pas mal quand même. Avec une caisse de 10 touches, à 20% de la personne en tête, c'est quand même pas mal quand même. Faut pas se leurrer. Hein. Bon. Là, je vous ai tout présenté. Ça sera présenté la semaine prochaine. Tiens, petit joueur, tiens, j'ai oublié de récupérer mes récompenses.
Bah j'ai fini derrière mon spot. Ah mais c'est pas mal hein. 288ème hein. Ah. Ok. Allez. Là les chances sérieuses ont commencé. Allez, ça, 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 attendez, je regarde un peu mes trucs. J'avais pas. Ouais, les chaussettes vont. Ok, on va pouvoir faire les courses MP là. Allez, je vais commencer par la série classique. Matt Pitel. Yeah! Pitel. Voilà, une Vanda. Une Vanda. Oh, on est en légende. What? Ah. D'accord. J'avais pas le truc, la touche ordinateur. Oh, c'est pas grave. Naturelle. Je vais manger, vous inquiétez pas. Ah, c'était l'échauffement. Mais c'est quoi ces champs? Comment ça la vente à Dorji? Ils ont pas de S potable? C'est quoi ce bordel? Je fais des bêtises là, c'est pas bon ça. Ah, oups. Ah bah c'est peut-être très difficile à contrôler en manuel, faut pas le croire hein.
Aïe, je suis sur descente là, c'est pas bon ça, c'est pas bon papa. On se ressaisir. Bon, il faut se ressaisir là, monsieur. Oh le strao que je vais te mettre. Le tonte à la médaille. Ouais, ça se voit que le Google Play Auto en version bêta pour l'instant. Mais c'est bien. Google Play Auto, hein, Google Play Beta plutôt. C'est bien qu'il justement, c'est ce qui a été prévu sur Windows 11 aussi. Qu'on puisse jouer à nos jeux mobiles, à nos jeux qui sont sur mobile, sur PC, quoi. Oula. Bon. Ça a chargé auto rapidement. C'est obligé. Il y a un peu des frayeurs quand même. Oh, il y a pas à avoir des frayeurs quand même. Ah, quand même, je me débrouille quand même pas mal en. Un tout petit peu décalé. Voilà, parfait. Là il est en bon alignement. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Mis à part la pite telle ennemie, je peux gagner. Je gagne. Ah oui, ici, très important. Hop là. Ouh, j'ai peur.
Ça a été sûr. Yot. J'ai mal géré le saut. Il y a un peu des petites attentes quand même. Ah, la chute m'a été fatale. Ouais, la sortie de route m'a été fatale. Fatale, pas tout cas. Ah, c'est pour déconner un peu. Vous inquiétez pas, sur, le téléphone, je vais me rattraper. Oh, que je vais me rattraper. Ah, c'est donc, on n'est pas terminé. Quoi? T'abuses un peu, non? Oh, oh non, Jimera, on est dans la merde! On est dans la merde, y'a Jimera! Hop là! Ouh, putain! Hélicoptère! Hélicoptère! Oh. Wouhou! What? Ça va, monsieur? Là, monsieur, vous abusez pas un peu? Purée! Ça va. Oh, ils ont poussé le camion. Attends, je peux savoir la deuxième voiture. Ouais, j'ai secours, bon. Qu'est-ce qu'elle s'est dite quoi? Pas rien faire. Mais non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah, les vantards! Ah, les vantards! Ouais, je chie sur les vantards, excusez-moi, désolé. Ah, il me reste encore une course. Oh putain de Vanda 3. Mais si je prendrais l'avantage, je gagnerais. C'est pas du jeu, cette caisse, elle est illégale. Bon. Après, ben écoute, quand il y a la Vanda. Au revoir. Alors ici, hop là, hop là, hop là, hop là. Alors je prends pas celui-là. Ah ben je l'ai pris au final. Ben bon, c'est pas grave. On dira merci au tramway. Oh, je l'ai vu. Oh, c'était chaud ça. Aïe. Il fail. Boum.
Je suis manqué. Bon, c'est dommage. Hein. Pas brillé. Hein. Bon, ben... Je vais vous présenter la Polo Evo. Alors, votre siège activé avec les collisions désactivées. Ah, c'est un Phantom Play Stream. Intéressant, intéressant. Et tu peux piloter n'importe quelle voiture. Mais tiens, ce serait intéressant de présenter la Polo Evo. Et d'ailleurs, mais aucune peinture, moche. Bon, d'être à la traîne, fais 360 au dérap pour couper ton sillage et empêcher la serre de... C'est le but du nitro. Hey, hey. Bon ouais, qu'est-ce qu'elle donne cette voiture un peu? Bah c'est la voiture de la voiture de la saison quoi. What? Wow, oh le lag. Quand même, 309, hein, pas dégueu. Ok, trop normal. Pas ni trop bleu. Oh, ça a fini 3e quand même. Oh, ça va. Pas mal cette Polo Evo. Bon, c'était juste pour la présenter. Il me reste qu'une chose à vous présenter, c'est... Le truc de la Polo Evo, je vous présenterai la semaine prochaine. Allez, on va vous présenter un peu ici, jusqu'à ici, à étape 6. Alors, qu'est-ce qu'il me restait à faire? Alors, il y avait 2 tonneaux et 3 zones de choc à faire. Ah, je vous présente un touch drive, comment faire un succès. Hop là. Voilà. Voilà. Et quasiment 47 secondes. Bon, ben voilà. Et... Ben moi, il me manquait ça. Donc là, c'est bon, c'est vert. Ensuite, ici, il y avait quoi? Une onde de choc et une séquence parfaite.
Voilà, on s'allote de choc, c'est fait. Voilà. En gros, c'est ce choc, séquence parfaite, 47 secondes, voilà. Et ensuite, course de la Rimac Nevera. Terminer la course, 3 sauts, 1 tonneau. Ok. Ok. Hop là. Voilà. Comme ça. Une 14,786, ouais. Pourquoi pas. Voilà, termine la course, saut tonneau et le temps. Voilà. Et donc la verre. Alors là, Draco, qu'est-ce qui manque? Il termine la course. 3 cascades et 2 sauts. 3 cascades, 2 sauts, ok. Et par contre, les jetons, c'est en train de skate comme un fou furieux. Il a dit 3 cascades de sauts, ok. Ah, intéressant ça. Alors ici, j'aime pas trop prendre... Oh, oh là là, oh. Ça va. J'aime pas déraper, j'aime pas sauter en 360 des fois. Des fois, c'est plus ça, je peux pas être 360 en fait sur les sauts. Des fois, il y a quelle situation. Il y a de le feu, moi. Voilà. Tous les events terminés d'étape 4.
Il me reste l'étape 5. Alors, termine la course. Temps nitro parfait. Ok. Voilà, c'était essayer peut-être des courses là. Voilà. Parfait, c'est bon. Ah ouais. L'Apex, elle est terrible en maniement. Elle est incroyable. Voilà. L'Apex c'est fait. Voilà. Bon, c'était pas compliqué non plus. Ouais. Ah, parce que d'accord, on n'a pas. Tout le monde n'a pas terminé. C'est pour ça, peut-être pour ça. Et ben pour terminer, la Rimac Nevera. Termine la course, 3 sauts. Termine la course et 3 sauts. Ok. En temps normal, en manuel, j'aurais pris à gauche. Voilà. Et voilà. On termine. Sous 40 secondes. 30 secondes, c'est ça. Bon, je suis à 35. Voilà. Bon, c'est pas si dans... en TD, quoi. Et voilà, l'étape 6 terminée. Là, la semaine prochaine, je présenterai l'étape 7, 8, 9 et... ben, pas l'étape 10 parce que je n'ai pas la... j'ai pas la clé de la voiture. Voilà. au moins, je vous... au moins, il y a le tir là. Alors, au niveau de récompense, ça donne quoi? Voilà. On des plats, plan Nevera, deux plans, trois plans, à peine, Rimac Nevera. Pas terrible, hein. Pas terrible. Voilà, voilà. Bon, ben, je vous ai à peu près tout présenté. Ah, j'ai oublié une chose, j'ai oublié de présenter le clash. Oui, il est en défense de quartier, blablabla. Alors, oui, voilà. Donc juste pour info, voilà comment ça se passe. Voilà. Alors je vais prendre une rue qui m'est assignée, excusez-moi. Attendez. Alors, qu'est-ce qu'il a fait mon cher? Alors moi, qu'est-ce que j'ai? Ben, par exemple, j'ai la Upton, j'ai la 15. Parfait. Donc, par exemple, voilà, moi, j'ai cette course-là à faire. Par exemple, il m'a glissement de terrain. Voilà. Alors, donc, j'occupe. Ok, c'est une voiture auto. D'accord. Ah, ils auront mis... je crois qu'ils ont mis une seule version de Clash.
Faudra que je regarde je vais vous montrer, je vais vous passer un petit lien. Où c'est? Ouais, je crois qu'ils ont mis. Il va falloir que je regarde dans mes registres si c'est. Il me semble qu'ils ont remis une ancienne version de Clash. Si je m'abuse pas. Je crois qu'il y a des bugs sur certaines courses. Hop là, je vais vous passer le lien en question. Non. Alors le lien. Copier le lien. Voilà, je vous l'envoie sur le truc. De toute façon, vous l'aurez en note d'ailleurs. Voilà. Donc vous avez le mise en peu. Voilà, donc vous avez le document là que j'ai mis en truc en ligne. Je vous présenterai. Je vais faire la mise à jour ce soir là parce qu'il y a ça. Comme ça, je vous dirai qu'est-ce qu'il y a. Voilà. Et donc là, on peut faire autant d'entraînement que l'on veut, enfin, suivant les essences qu'on a. Évidemment, on a 3 essais de défense sur la course. Donc, malheureusement, je peux pas. Voilà. On s'est entendu avec les membres, tout ça. Je peux pas vous montrer les courses de Clash. Cependant, je ferai un enregistrement en coupant certaines séquences sur mes entraînements un peu. Voilà. Je ferai quelques sessions d'entraînement que je vous présenterai sur YouTube. Voilà. Je sais pas si j'ai. À part que j'ai peut-être la version YouTube. Voilà. Donc du coup, ben voilà, je vais terminer ici sur ce stream. Voilà, je vous en dirai pas plus sur le Clash. Voilà, je vous ferai un petit record de mes temps d'attaque. Voilà. Et voilà, je montrerai les sessions défense. Je ferai un petit montage spécifique quand je ferai mes lives hors truc pour couper les chronos de mes potes. Voilà. Voilà. Bah écoutez. Je vais couper le son. Là. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette petite session d'Asphalte 9. Donc, comme d'habitude, le live il sera. Enfin. Le live sera peaufiné en certains montages pour certains events là sur YouTube. Je ne mettrai pas le live direct complètement. Je mettrai les trucs genre. Les événements saisonniers, les courses track, voilà un peu tout ce qui a été fait. Je vous ferai les chapitres, tout ça, demain, tranquillement. Voilà. Demain, il n'y aura pas de stream. Voilà, je me repose un peu quand même, faut pas non plus déconner. Voilà. Bon, le prochain stream sera samedi soir. Je retourne sur Metroid Prime. Alors là, Metroid Prime, la version Wii. Voilà. Et dimanche, ça sera pareil. Voilà. Ben, je vous remercie d'avoir suivi cette petite session. Voilà. Et je vous dis à la semaine prochaine pour du Asphalte 9. Allez. Merci.